Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les nouvelles actus de la Terre du Milieu. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que je les tourne en live direct, hein, donc vous inquiétez pas, il y aura des coupures évidemment. Nous sommes la semaine 12 de cette année 2024 et nous sommes le vendredi 22 et c'est parti pour les dernières actus autour de la Terre du Milieu. Première actualité, c'est Tales of the Shire, nous avions enfin des nouvelles et ça faisait un petit moment parce que la dernière nouvelle qu'on avait eue c'était le 22 septembre 2023 avec magnifique illustration Tales of the Shire qui a l'air super mignon. Donc c'est un jeu qui sera disponible sur toutes les plateformes, console, PC, disponible en 2024, créé par Weta Workshop et Private Division. Et ils ont sorti une petite teasing, hein, donc bienvenue à la maison, les Hobbits. Donc on va regarder ça, je vais vous le partager quelques fois. Donc on peut voir un livre avec une apparition et surtout un canard avec un casque qui a la forme de Gimli, et ça, si ça c'est pas beau. Donc nous avons un Hobbit avec une pomme, potentiellement Rosie, hein, donc la femme de Sam, avec ses enfants. Potentiellement nous sommes au quatrième âge de la Terre du Milieu, après les événements de la guerre de l'anneau, nous sommes dans une période de paix et de vie, et ça va être magnifique. Visuellement, on est sur un jeu qui va être un peu style... Je sais pas quel style on pourrait dire, mais c'est de toute beauté. Alors il n'y a pas de date, voilà, il n'y a pas de date pour le moment, donc on reste à l'affût. Si vous voulez suivre, bah il y a tous les différents réseaux sociaux, donc soit sur TikTok, Facebook, Insta, et on avait eu une première bande-annonce qui était celle-là, mais qui ne marche pas, donc attendez, je vais aller sur un autre lien. Ça c'était la première qu'on avait eue sur le jeu. C'est chill, tout mimi, cosy. C'est très beau, c'est du cartoon fantasy. Mais j'adore. Non mais rien que ça, je trouve que moi ça me donne trop envie de jouer. Ça sera un jeu chill. C'est-à-dire que c'est pas un jeu... On est plus sur un jeu de guerre, de stratégie, d'action, d'RPG, de machin. Je pense qu'on sera peut-être sur un jeu style Animal Crossing. Je sais pas, gestion en tout cas de la comté. Donc vivre sa vie tranquillement quoi. Tu craves, tu pêches, tu vas récolter tes patates, tu vas vivre ta vie de Hobbit. Mais c'est trop chou. Donc ça c'était la première preview qu'on avait eu du jeu. C'est-à-dire pas grand chose au final. Un magnifique livre. Donc voilà, merci. Ça c'était la première actu. On se retrouve prochaine fois pour avoir plus d'infos sur le jeu, peut-être dans l'année, c'est sûr. Deuxième actualité, il semblerait que Lego ait mis en avant un teasing pour le prochain set Seigneur des Anneaux qui arriverait. Alors, pourquoi je vous dis ça? Le Seigneur des m'a envoyé une information comme quoi, sur le site de Lego, il y a le teasing du prochain Donjon et Dragon. Vous pouvez voir que sur la cinématique, il y a un élément qui potentiellement vous fasse penser, en tout cas, au Seigneur des Anneaux. Alors, je vous laisse un petit peu l'admirer, voilà. Je vais vous le mettre un petit peu en plus grand. Au commencement, vous pouvez voir un peu style auberge avec un œil ici qui est potentiellement l'œil de Sauron. Donc ça, ça arrive le 6 avril du côté de Donjons et Dragons, mais potentiellement en juin, à ce qui paraît, il y a une annonce pour un prochain set incroyable autour de l'univers Seigneur des Anneaux. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel évidemment, mais est-ce que c'est un easter egg qu'ils ont voulu mettre en avant ou est-ce que c'est vraiment une info pertinente? Et bah c'est à vous de vous en faire part. C'est le Seigneur D qui m'a envoyé ça. Lego a laissé un petit signe de tête dans le nouveau set Donjons et Dragons au prochain set Lego Lord of the Rings Barad-dûr. Donc vous pouvez voir, voilà, l'œil de Sauron qui fait référence évidemment à Barad-dûr. Il faut vraiment avoir un petit œil d'expertise pour voir ça, mais je trouve que c'est assez flagrant à voir la vidéo, hein, et surtout que dans l'univers de Donjons et Dragons, je vois pas trop quel symbole ça pourrait être ça, mais bon. Est-ce que c'est vraiment un easter egg ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'était une actu autour du prochain set du Seigneur. Donc, prochaine actualité, eh bien, nous avons une info, hein, du côté de Henry Cavill, comme quoi il a appelé son nouveau chien Baggin. Hein, alors... Ça a pas, voilà, c'est une petite référence. Donc ça, c'est son petit chien tout petit qui a du coup déjà bien grandi. Donc voilà, il est passionné évidemment de la Terre du Milieu, d'univers incroyable. Hein. Il va aller dans une prochaine série. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Si, c'est Warhammer 40 000. Il va participer à une nouvelle série là-dessus. Il était dans The Witcher, il a quitté The Witcher, mais en tout cas voilà, il a souhaité un joyeux anniversaire à son
petit chien qui s'appelle Baggins. Prochaine actualité, nous sommes sur un site qui s'appelle Box Lunch. Alors attendez, je vais me décaler comme ça vous pouvez le voir. Nous avons un sac à dos Seigneur des Anneaux. Alors c'est Faustéa qui m'a partagé cette information. Donc si vous aimez bien les sacs à dos style Seigneur des Anneaux, eh bien n'hésitez pas. Bon, c'est quand même 90 balles le sac à dos. Je suis sûr qu'il y a des taxes. Mais si vous avez un coup de cœur, eh bien écoutez, moi voilà, je vous le partage. C'est un sac Seigneur des Anneaux, donc c'est à votre bon vouloir. Ok, donc il y a un autre site avec un autre sac à dos qui m'a été partagé encore une fois par Faustéa, hein, qui a trouvé. Donc c'est un sac à dos qui coûte quand même 90 balles aux États-Unis. Peut-être qu'il y a des frais de port inclus, donc c'est un peu relou avec la France. Vu que c'est fabriqué au State, t'as forcément des frais. Donc là, ils disent à peu près 18 euros de frais à ajouter en France, donc ça fait quand même un sac à dos sacrément cher. Après, le sac à dos, eh ben écoutez, ma foi, il est plutôt joli, hein. On est sur un thème de la comté. Ce qui m'embête toujours sur ces sacs à dos, c'est que ok, ils sont très jolis, mais ils utilisent toujours des images du film, mais c'est dégueulasse. Vraiment, je trouve ça dégueulasse. Bon, après, ça, c'est mon avis. Je vous laisse me dire en description ce que vous en pensez. Deuxième petit sac que je vous partage dans ces actus de la semaine. Ok, nouvelle actu en termes de livres. Donc, sans surprise, voici la couverture qui illustrera la réédition au format relié de Beren et Lucienne. Donc, ça, c'est des infos qui viennent de Tolkien Deal, mais du coup, ça sort chez Christian Bourgois Éditeur. Donc, ça sort le 16 mai prochain. En gros, c'est Beren et Lucienne, c'est la même chose, mais en édition brochée. Je vous montre ça dans un instant. Donc c'est édition reliée et illustrée avec jaquette, illustration et croquis d'Alan Lee. Donc c'est un peu comme la version Silmarion du coup qui est sortie 2019, je sais plus, et le Hobbit qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc c'est juste, on va dire, la grosse édition. Donc ça change rien en termes de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est juste si vous voulez un livre plus classe, on va dire. Et voilà, si vous voulez faire une collection de livres, moi je pense que je ne la prendrai pas vu que j'ai déjà celle-là de Beren et Lucienne, mais ça sort en tout cas le 16 mai prochain. Basilic m'a envoyé un petit article qu'on va lire tranquillement ensemble. Écosse, l'incroyable maison de Hobbit construite par un fan du Seigneur des Anneaux. Alors c'est un article qui date de 2017, mais voilà, on va vous présenter cette petite maison qui a été construite par un passionné. De nombreux fans du Seigneur des Anneaux doivent en rêver depuis longtemps, et un immense fan écossais l'a fait. Même si certains ont déjà construit ou modifié leur maison pour faire ressembler à celle de notre cher Bilbon Saké, ancienne traduction, aucune ne peut y aller la maison de cet écossais. L'univers fantastique du Seigneur des Anneaux a donné naissance à tout un tas d'objets, de goodies ou de costumes, mais un habitant de petit village de Tomish, dans le nord de l'Écosse, est allé encore plus loin. Cet immense fan de la saga et passionné par l'univers des Hobbits a décidé de construire une maison identique à celle de Bilbon et Frodon Saké. Et le résultat est bluffant. Le neveu de ce fan a publié des photos sur imgur.com sous le pseudo de Kalum1986, de cette incroyable maison construite dans les années 80. Depuis, la mousse a eu le temps de recouvrir toute la maison. Ah ouais, il l'a construite dans les années 80. Ah, ça date. Donc le gars, voilà, il a lu les livres, il s'est dit « Let's go !» Let's go, let's go. Alors, même si la maison semble être toute petite, nul doute que de nombreux fans voudront y faire une halte. Voici un aperçu de la petite maison. Donc là, on peut voir... la petite maison, alors je sais pas si je peux cliquer dessus. On peut voir que c'est très vert, très dans la nature, hein. Je pense qu'on est vraiment dans une nature vraiment profonde. C'est vraiment pas mal. 44 ans, ça fait 44 ans que du coup elle est construite cette maison. Effectivement, ça a eu le temps de pousser, hein. Ça fait vraiment... L'intérieur est vraiment beau. Bah écoutez, là on est pour l'instant déjà l'extérieur est magnifique, alors l'intérieur j'imagine pas. Nous avons la maison de Hobbit ici, avec la petite dame devant, une tête de je sais pas quoi. Je sais pas s'ils mettaient leur trophée directement à l'entrée, les Hobbits. C'est plutôt dans la maison des matomes. Alors voilà, je pose la question, qu'est-ce qu'un matome dans le chat? Voilà, petite question en attendant que je continue l'article. Donc là, nous avons l'intérieur, c'est magnifique, hein, vraiment très chouette. Mais en vrai, plus tard, si j'ai une maison comme ça à la campagne, moi, ma vie, toi, j'ai internet, je peux faire mes petits lives, j'ai ça ensuite, ça me va. Bon, après, la cuisine est un peu rustique, j'ai l'impression. Pourquoi il y a deux robinets ici, je ne sais pas. Il y a le calendrier des Hobbits à gauche, il y a des petites assiettes qui volent, des spatules, des machins, une tortue accrochée ici, une tortue de voyage. Il y a du thé de Yorkshire, c'est plutôt rigolo. Non, c'est tout mignon, c'est tout mignon. Là, on peut voir les petites tasses. Oh, je trouve ça incroyable d'afficher les petites tasses comme ça. Moi, je veux trop ça plus tard. Je sais pas, je suis vraiment un hobbit quoi, moi j'ai pas besoin d'avoir des trucs de ouf. Juste un endroit pour mettre ces petites tasses,
Je mets toute une petite tasse Seigneur des Anneaux. Oh, j'ai les tasses à vous montrer. Oh, ça sera dans les actus incroyables. Je vais vous les montrer. Je vais vous les apporter juste après. On fait ça. Je vous les montre juste après cette actualité. Avec les petites assiettes. Par contre, c'est bien rempli. Hein. C'est vraiment bien rempli. Par contre, faut pas qu'il y ait un tremblement de terre. Faut pas qu'il y ait des enfants qui courent partout. Faut pas qu'il y ait un chat qui fasse tout tomber. Voilà, il faut. Parce que là, tu fais tomber une assiette, ça fait tout tomber. Hein. Clairement, il y a tout qui s'écrase au sol. Oh, on est quand même sur. Elle est trop belle la maison. Par contre, pour avoir vécu dans une fermette pendant 18 ans, les poutres, il y a des giga araignées dedans. C'est pour ça que je préfère la ville. Moi, personnellement, les araignées, ça me dérange pas. Enfin, même là, dans la maison où je suis. En fait, faut se dire que les araignées vont dans des maisons saines, en fait. Enfin, donc, elles vont forcément pas aller en ville parce qu'en ville, c'est plutôt pollué en général. Mais c'est pour ça qu'à la campagne, il y a souvent des araignées. Et si vous avez des araignées chez vous, c'est pas parce que votre maison est pas bien, c'est qu'il y a un environnement plutôt sain dans votre maison. Après, si c'est Arachné qui vient dans votre maison, effectivement, c'est peut-être un peu abusé, quoi. Sorry, je m'en fous que ça soit singelé et... Ah ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, espace salon plutôt cosy. C'est très, très joli, il n'y a aucun souci. Pareil pour les abeilles. Mais pourtant, les abeilles, les abeilles, tu les attaques pas et t'attaqueront jamais, hein. Là, on est sur... Pourquoi il y a le mec qui s'est pris en selfie à gauche, là. Il est en mode, vas-y, petit coup de rasoir. Donc là, il y a des miroirs, des toilettes. Putain, même les toilettes, elles sont... Par contre, les toilettes, c'est... Pourquoi les toilettes sont à côté de la machine à laver? Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est un peu trop près, là. Genre, tu sors le linge, ça va carrément dans la cuvette, quoi. Non, non, il y a un problème de... Il y a un problème de place, là. Les chiottes, je suis mort. Ouais, non, mais les chiottes sont... Là, c'est peut-être un peu abusé. Là, c'est... On est dans un petit peu dans l'abus. Après, elles sont stylées. Elles ont un style. Elles ont un style, ça, c'est sûr. Oh, la petite chambre choupie, la maison de Hobbit. Ok, donc on a des petits nounours, on a la petite mouette ici. La petite mouette, qu'est-ce que... C'est pas une mouette, ça, c'est un hibou. C'est un hibou ou l'autre, j'ai oublié son nom. On est très loin d'une mouette. Ok, par contre, le style des draps, ouais. On est, ouais, c'est un peu dépassé, mais après, bon, si les photos ont été prises dans les années 80 ou un peu plus tard, PTDR ou une mouette. Non, mais je suis traumatisé par la mouette, c'est pour ça. Ok, ça, c'est une vue de l'extérieur, donc on doit être derrière la maison. Oh, en plus, il y a un petit cours d'eau, il y a un petit moulin. Enfin, non, franchement, la maison est vachement chouette. Ça me rappelle un peu les statues. Je sais plus comment ils s'appellent, le peuple des Druadan, là. Quand ils vont à Dunaro, là, on voit une petite statue. Ça me fait penser un peu à ça, donc petite ref. Donc, très belle maison, en tout cas. Est-ce que ça vous a donné envie de construire une maison de Hobbit? Bah, je sais pas pour vous. En tout cas, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir par vous-même. Et peut-être qu'un jour, on ira visiter, hein. On fera un vlog pour aller voir cette maisonnette. En tout cas, c'était une chouette actu. On pensait à souhaiter un bon anniversaire à notre meilleur modo, Elissa, s'il arrive. Mais non, c'est un joyeux anniversaire à Elissa. Incroyable. Allez, c'est parti. On le rajoute dans les actus. Joyeux anniversaire à Elissa. Elissa fait son anniversaire. Toulou, 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 toulou. Bon, c'est bon, c'est terminé. Non, j'ai dit c'est terminé, arrêtez tout. J'ai dit on arrête. 1% des gens sur YouTube doivent pas savoir qui c'est. On le rajoutera peut-être dans les actus ou pas. Prochaine actualité, nous avons parlé de la maison de Hobbit et je vous ai dit que je vous avais montré des tasses. Pendant les vacances avec ma copine, nous avons fait de la peinture en céramique. C'est-à-dire que dans la région de ma région, en Normandie, près de Caen, nous avons fait un atelier de céramique. J'ai découvert pour la première fois ce que c'était et c'était très sympa. C'est-à-dire que c'était une séance où vous choisissez un élément, donc une tasse, un mug, n'importe quoi, une assiette, et vous prenez le temps. Donc nous, on a resté 2h30, 3h, où il y a toute une partie où il faut peindre plusieurs couches, choisir un peu la technique que vous voulez mettre en place. Et ensuite, vous les laissez là-bas. Eux, ils vont peaufiner et ils vont mettre ça dans un espèce de four pour faire en sorte qu'à la fin, ça brille. Ce qu'on a fait avec ma copine, c'est que je lui ai fait une tasse et elle m'a fait un mug. Donc je vais vous présenter d'abord ce que j'ai fait pour ma copine. Vous savez que j'ai des talents artistiques, mais je ne suis pas très bon. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai voulu faire quelque chose d'intéressant. Donc, alors la tasse peut-être va briller beaucoup parce que je l'ai nettoyée parce que ma copine s'en est servie ce matin pour boire son café. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites feuilles, des petits trucs, et après je savais plus quoi faire. Du coup j'ai fait un cercle, et après je savais plus quoi faire, du coup j'ai fait des petits points, et voilà, j'ai fait une petite anse comme ça. Donc voici ma création.
Ça, je vous jure, ça m'a pris 2h30. Parce qu'il faut faire plusieurs couches. Là, vous voyez, là, il y a des petits effets un peu stylés. Et à l'intérieur, c'est peint aussi. Hein. À l'intérieur, c'est peint. On est sur un petit vert comme ça, là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur 10. Mettez-moi une note. Allez-y, le chat. Mettez-moi une note. Sur YouTube, pareil. Mettez-moi une note. Voilà, je vous la repartage comme ça un petit coup. Peut-être qu'avec l'effet de la lumière, c'est pas excellent pour vous. Vous pouvez pas voir les détails à leur paroxysme. Mais n'hésitez pas à me mettre une note. Ok, donc ça. Ça, c'était ma tasse. Maintenant, je vais vous montrer la tasse que m'a réalisée ma chérie. On n'est pas sur le même niveau. Hein, voilà. Clairement, ça, c'est exceptionnel. Ce que vous allez voir, c'est pas ouf. Non, je rigole. Allez, regardez-moi ce magnifique mug. Nous sommes sur un mug de la Comté avec un petit arbre. Et si on tourne de l'autre côté, nous avons une porte de Hobbit avec un petit champignon peint à l'intérieur en blanc un peu comme ça. Ouais, ta chérie, c'est 20 sur 10. Voilà, donc niveau détail, on est quand même vachement bien, c'est trop stylé. Donc parfait, par contre la contenance est immense, hein, pour boire un giga chocolat chaud. Là j'en ai pour la journée, donc la shop est pas mal. En vrai je pense que je vais l'ajouter dans le décor. Ah bah non, je peux pas l'ajouter dans le décor parce que sinon je pourrais pas le boire. Mais dans le décor, elle se verrait bien, hein. Elle se verrait plutôt bien. Ok, madame gagne haut la main. C'est pas le même niveau de ouf. Donc voilà, c'était, fallait que je vous le partage. Je me suis dit c'est propre ce que tu fais, puis j'ai fait celle de madame et tu as des progrès à faire. Donc la prochaine fois, elle m'a dit, si on y va, bah je me ferai une tasse pour moi et tu te feras une tasse pour toi. Donc en vrai, la prochaine fois, je ferais bien genre un arbre du Gondor, toi, ça devrait pas être trop compliqué. Non, mais c'est juste que moi, j'avais pas d'idée. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis après, j'en avais marre et tout. Parce que c'est long, et malgré tout, c'est long. Et il y a une sacrée technique à avoir, que ma copine, je trouve, s'est vachement bien débrouillée. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, je mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Pour ceux qui connaissent bien Caen, c'est Arreau, donc c'est près de Caen. Deux personnes qui s'occupent ça, c'est vraiment très convivial, c'est très chill. Nous, on était deux, on était bien accompagnés. Peinture sur céramique, ça c'était très chouette. Prochaine actu, le Seigneur D m'a envoyé Weta Workshop Mini Epic The Lord of the Rings Cave Troll. Alors, c'est les mini épiques sont une catégorie moins chère normalement. Mais assez rare maintenant car ils en font plus trop. Donc si vous avez envie d'acheter cette version du Troll des Cavernes, elle coûte quand même 110 balles. C'est assez onéreux, hein, pour pas vous le cacher. Il y a aussi Galadriel en bas qui coûte que 38. Ou à côté, Galadriel coûte 38, c'est quand même beaucoup plus raisonnable qu'un certain Troll des Cavernes à 110 balles, 111, hein, plus peut-être des frais de transport, etc. Donc voilà, petite actualité. Ok, on poursuit les actus avec les partages de la semaine. Donc déjà, il y a la partie 2 de tous les jeux Seigneur des Anneaux réalisés par Takes. Franchement, c'est une chaîne où il faut s'abonner parce qu'il fait un travail monstre. Et en plus, il m'a pas mal crédité dans cette vidéo parce qu'il a évidemment parlé des jeux Bataille pour la Terre du Milieu. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'il parle de mon site, il parle de ma chaîne également. Enfin, très gentil quoi, très gentil. Donc allez vous abonner à sa chaîne. Il parle des jeux, il y a moins. Il y a même des passages de moi qui commentent d'il y a 4 ans. Enfin, terrible. Terrible, terrible. Donc allez voir sa vidéo, il traite du coup de tous les jeux Seigneur des Anneaux. Il a une partie 1, une partie 2. Il fera encore sûrement une partie 3, voire 4. Donc allez voir sa chaîne. Si je vous l'ai pas déjà dit, il y a Nibor également qui a sorti une nouvelle vidéo sur l'univers de la Terre du Milieu avec pourquoi les elfes sont la pire des races, avec en titre sous-race, du coup sur la miniature. C'est tellement drôle, franchement. On peut se taper une barre, si vous voulez, on peut l'écouter après. Ensuite, il y a Vardamir qui a sorti une grosse vidéo sur un résumé de la saison des anneaux de pouvoir. Donc pour ceux qui voudront se remettre dedans avant et bien de commencer la saison 2, hein, on n'a toujours pas de date actuellement, sûrement fin 2024 vu qu'on n'a toujours aucune annonce. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour avoir un super résumé, je le mettrai sur le fameux site Les Anneaux de Pouvoir. Ensuite, Tolkien en bref a sorti une nouvelle vidéo sur Beren Lúthien première version, le conte de Tinuviel, Tolkien en bref hors série 11. Donc quand même une grosse vidéo de 34
24 et 51 secondes sur la première version du conte Beren et Lucienne. Donc allez la voir, il y a eu un gros travail derrière, de recherche, de montage, etc. Donc allez envoyer de la force. Ensuite, toujours du côté des mémoires de la Terre du Milieu, hein, qui nous sort chaque semaine un épisode, évidemment. Ici, Narsil Andúril, l'épée des rois, avec une photo d'Aragorn et une photo du coup d'Elendil à gauche. Et enfin, on finit par la dernière vidéo des Échos du Miladris avec Ungoliant, l'histoire complète. Hein. Également une très grosse vidéo. N'hésitez pas à aller voir, il y a eu un gros travail fait par Faustea et moi au montage. Donc ça, c'est un peu de l'auto-promo. Et ensuite, il y a un autre conte. Donc ça, c'est le conte créé par Basilic qui va parler autour de Tolkien, hein, Walking with Tolkien. Donc ça, c'est une page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte. Donc chaque jour, il va y avoir les infos. Enfin, chaque semaine, il va y avoir les infos de la semaine en termes d'anniversaire et en termes de pays, les choses à faire. Donc par exemple, le musée en Suisse. Donc je peux pas voir parce que je suis pas connecté vu que je suis en navigation privée. Mais là, on peut voir les anniversaires du 17 mars au 23. On a un hôtel ici au Mexique. C'est bien le Mexique, hein, que je me trompe pas. Ensuite, là, ici, on est en Suisse. On est aux States de ce côté-là, au Royaume-Uni, etc., etc., avec des cartes. Donc, n'hésitez pas à aller voir, parce qu'effectivement, il y a eu un gros travail aussi sur une carte Google pour avoir tous les lieux intéressants. Du coup, je rajoute un petit partage. Donc, c'est une vidéo de Henna. Donc, comment le Seigneur des Anneaux a changé ma vie. Donc, une petite vidéo de 11 minutes où elle partage du coup sa découverte de l'univers, pourquoi elle l'aime et en quoi ça a changé sa vie. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Donc encore une fois, petite recommandation de Le Seigneur D. Donc c'est la fin des partages. Et bah écoutez, avant de terminer cette vidéo, on va je vais vous parler un petit peu du Tolkien Readings Day. Donc c'est la semaine prochaine, le lundi 25. Donc il y a plein d'événements en France, tout ça. On va sortir normalement des vidéos sur le thème. Donc c'est quoi le Tolkien Readings Day pour ceux qui ne savent pas? Donc le Tolkien Readings Day, qui peut être traduit en français par jour de lecture de Tolkien, est un événement annuel célébré le 25 mars visant à encourager la lecture des travaux de l'écrivain J.R.R. Tolkien. Donc ça a été lancé par la Tolkien Society en 2003. Le 25 mars coïncide avec la chute de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Donc en 2003, c'était les paysages de Tolkien, en 2014, l'espoir, en 2015, l'amitié, en 2016, vie, mort, immortalité, 2017, la poésie et chant dans l'œuvre de Tolkien, 2018, maison et foyer, les nombreuses façons d'être un hobbit, 2019, c'était Tolkien et le mystérieux, 2020, c'était la nature et l'industrie, 2021, c'est l'espoir et courage, 2022, c'est l'amitié. Du coup, 2023, c'était voyage et aventure, et 2024 du coup c'est le service et le sacrifice. Donc des vidéos sont attendues peut-être avec certaines personnes en France sur ce jour, hein, qui arrive bien très rapidement vu que c'est lundi prochain. Donc voilà, merci d'avoir suivi en tout cas ces actus de la Terre du Milieu. Les prochains anniversaires, donc il y a Lipis, l'acteur de Thranduil, qui va fêter ses 44 ans. Il y a l'acteur de Joseph Maul qui jouait du coup Hadar dans Les Anneaux de Pouvoir, qui va fêter les 50 ans mais qui sera pas dans la saison 2, donc terrible. Et Tennant qui va fêter ses 21 ans, donc il était super jeune et il avait joué dans le film Tolkien. Merci d'avoir suivi ces actus de la Terre du Milieu. Alors là, on a complètement changé en termes de montage, c'est-à-dire qu'on a fait ça en live. Donc le chat, n'hésitez pas à dire au revoir, à dire à bientôt, ça s'affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve la semaine prochaine. Dites-moi aussi en description ce que vous en pensez de ce format, ce que vous préférez comme avant quand c'est beaucoup plus structuré, ça dure beaucoup moins longtemps, parce que là ça va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude, mais vu que c'était en live, il y a eu beaucoup plus d'interactions. Là au moins on a tout dit, on l'a expliqué en live, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis au revoir et abonnez-vous.